Camilla Parker Bowles, son hommage poignant à Elisabeth II pour son premier discours. Camilla Parker Bowles sait que la route est encore longue pour gagner la confiance des sujets britanniques. Certains l'ont accueillie à bras ouverts en tant que reine consort. D'autres sont plus réticents. Les fantômes du passé sont encore tenaces, voire ressuscités avec la série de Crown. D'ailleurs, la saison 5 a de nouveau plongé Charles III et Camilla dans l'embarras. En revisitant l'humiliante affaire du tampon Gate. Très récemment, la reine consort et son époux se sont même heurtés à la colère d'un homme qui leur a jeté des œufs alors que le couple royal était en déplacement. Un épisode qui a chamboulé Camilla Parker Bowles. Toutefois, elle semble déterminée à accomplir les devoirs que lui incombe son nouveau rôle. Parmi eux, une réception organisée ce jeudi 17 novembre 2022 au palais de Buckingham. En maîtresse de cérémonie, celle qui était surnommée Gladys par le roi d'Angleterre et a reçu les gagnants du concours d'essai du Commonwealth de la Reine. Ce concours international d'écriture pour les écoles a réuni 26 000 participants cette année. Les jeunes esprits du Commonwealth ont ainsi pu développer leurs réflexions sur le monde dans lequel nous vivons. Camilla Parker Bowles avait déjà rendu un hommage émouvant à Elisabeth II. Elle a profité de cette occasion particulière pour donner son premier discours en tant que reine consort et rappeler une nouvelle fois son profond attachement à la reine. Une intervention partagée sur le compte Instagram de la famille royale. « Je ne peux pas commencer sans rendre hommage à ma chère belle-mère. Sa défunte majesté, qui est dans nos pensées aujourd'hui et qui nous manque tant. A-t-elle commencé? Au cours des derniers mois, mon mari et moi avons trouvé un immense réconfort dans les messages de condoléances que nous avons reçus. Et que nous continuons de recevoir, des quatre coins du monde. Ils ont rappelé que les mots écrits ont la capacité unique de relier, de guérir, de rassurer et d'offrir de l'espoir, même au milieu du deuil. Guillaumet. La reine consort s'est étendue sur l'amour d'Elisabeth II pour le Commonwealth. Plus tôt cette année, l'annulation de sa venue à la cérémonie du Commonwealth avait d'ailleurs suscité les premières inquiétudes. Tout au long de son remarquable règne, sa vision d'améliorer la vie et les perspectives de tous les citoyens du Commonwealth est restée. Comme vous le savez, très proche de son cœur a rappelé Camilla Parker Bowles. Elle a dit un jour d'elle-même que, si elle était consciente des mérites des monarques qui l'avaient précédée, « Vous n'en avez jamais eu aucun qui vous aimera davantage. » Une description qui pourrait tout aussi bien s'appliquer à la reine Elisabeth II et à son amour durable pour le Commonwealth. Guillaumet. La reine consort a ensuite conclu son discours en saluant la qualité et la pérennité de ce concours. Nous sommes tous liés par une profonde appréciation de l'écrit et de notre Commonwealth. Cette association merveilleuse, extraordinaire et richement diversifiée de nations et d'amis indépendants et égaux est véritablement la nôtre. Elle appartient à chacun d'entre nous, et les liens entre nous sont profonds. Sur la toile. Les réactions des internautes sont plutôt mitigées. Si certains saluent sa grâce, d'autres refusent encore de la considérer comme une reine consort et la renvoient à une femme qui a détruit un mariage. Il semblerait que le passé ne soit pas si facile à oublier.